Bonjour, bienvenue sur Bonin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder les libertés économiques. Il faut savoir que toute économie de marché repose sur un certain nombre de libertés. Alors, nous verrons successivement les libertés économiques qui relèvent du droit français et celles qui relèvent du droit européen. Alors, commençons par les libertés qui relèvent du droit français et en premier lieu, la liberté de commerce et d'industrie. Alors, il faut avoir en tête que tout individu peut exercer librement le métier de son choix à condition qu'il respecte l'ordre public et les bonnes mœurs. On parle alors de liberté d'entreprendre. Maintenant, nous avons aussi la liberté d'exploiter. Toute entreprise ou tout entrepreneur est libre de choisir les partenaires avec lesquels il veut travailler. Ce sont des fournisseurs, des clients, des salariés, des banques. On parle alors de liberté contractuelle. Troisième cas, c'est la liberté de la concurrence. Tout entrepreneur doit pouvoir développer son activité sans entraver celle de ses concurrents, en particulier en utilisant des moyens illégaux comme la concurrence déloyale. Passons à un petit exercice. Donc, vous regardez ces différents cas et vous me listez les différentes libertés. Je vous retrouve pour la correction. Alors, correction. Le constructeur Peugeot lance la E208 dans le but de gagner des parts de marché. Il veut gagner des parts de marché sur ses concurrents. Donc, c'est évident, on est sur de la liberté de la concurrence. Deuxième possibilité, Noémie, titulaire d'un bac provant, désire ouvrir son propre commerce, c'est-à-dire sa propre entreprise. Et quand on parle d'entreprise, ben on est complètement dans la liberté d'entreprendre. Troisième cas, l'entreprise Ion Équitable embauche un nouveau responsable commercial. Avec ce responsable, on va signer un contrat de travail, donc liberté contractuelle, que l'on nomme aussi liberté d'exploiter. Passons maintenant aux libertés économiques qui relèvent du droit européen. Première liberté, c'est la libre circulation des marchandises et des biens. Alors là aussi, il faut savoir que en 1988, l'Union européenne a supprimé les droits de douane, ce qui a permis une circulation beaucoup plus facile des biens à travers l'Union européenne. Deuxième liberté, c'est la libre circulation des services. Alors, on entend par services les assurances, les banques, les entreprises de transport. C'est-à-dire que toute personne ou entreprise d'un État membre de l'Union européenne peut fournir librement des services à n'importe quelle autre entreprise d'un autre pays de l'Union européenne. Troisième cas, on voit apparaître le sigle euro. Donc, on va parler de la liberté des capitaux. Et là, c'est simple. Tout ressortissant de l'Union européenne peut investir et transférer de l'argent librement dans un autre pays État membre. Exemple de la France, on peut transférer de l'argent vers l'Italie. Dernière liberté, c'est la liberté de circulation des personnes. Et là, tout citoyen d'un pays membre de l'Union européenne peut voyager, résider, étudier, travailler dans un autre pays de l'Union européenne. Alors ça a été facilité par la reconnaissance mutuelle d'un certain nombre de diplômes et aussi par la mise en place de l'euro qui a permis de voyager plus facilement. Là aussi, notre petit exercice, je vous laisse y réfléchir, je vous retrouve pour la correction. Alors, corrigeons. Kylian, qui travaille actuellement à Paris, passe un entretien d'embauche à Barcelone. Donc, il veut travailler dans un autre pays, liberté de circulation des personnes. Jürgen, qui vit à Munich, vient ouvrir un compte en banque à Strasbourg. Donc, son argent va aller de l'Allemagne en France, donc libre circulation des capitaux. Dernier cas, Ion Équitable va acheter une palette de spéculoos à une entreprise belge. Les spéculoos, ce sont des gâteaux, donc des biens, de la marchandise. Hein. Donc on est sur de la libre circulation des marchandises. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine sur Bonin Prof TV. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Au revoir, à bientôt.